Bienvenue à toutes et à tous. Merci pour votre présence et votre participation. Donc, je suis Leïla Lost, la coordinatrice de la plateforme ELSA, Myriam Bedamou, qui est responsable des programmes de renforcement des compétences, et Mélanie Brizard, qui est chargée de communication, sont aussi ici au nom de l'équipe de la plateforme ELSA. Alors, un petit rappel sur l'histoire de ces réunions, appelées réunions thématiques ou pays, organisées par la plateforme ELSA. Elles ont pour objectif d'offrir un espace d'échange et sont ouvertes à toutes les équipes des associations du réseau de la plateforme ELSA, aussi bien les associations membres françaises que sont SIDAction, Soltis, Planning Familial, Solidarité SIDA, et toutes les associations partenaires africaines francophones. Vous êtes vraiment nombreux et nombreuses aujourd'hui donc, pour échanger ensemble sur un sujet qui nous touche toutes et tous particulièrement. Il y avait plus d'une centaine de personnes inscrites aujourd'hui. Nous, là, on approche à une cinquantaine de personnes présentes. D'autres personnes vont arriver au fur et à mesure de la réunion. Donc, nombreux pays représentés, Côte d'Ivoire, Togo, Mali, Maroc, Burundi, Tunisie, Guinée, France et encore bien d'autres. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Missida Blandine Bila du Burkina Faso, Berthe Yemele Yemefak du Cameroun et Absatou Moussa Toukouyou du Niger, ainsi qu'Elsa Mangui de France qui conclura nos échanges. Et je passe la parole avec plaisir à Missida Blandine Bila, anthropologue, chercheuse à l'Institut de recherche en sciences de la santé au Burkina Faso, qui va nous parler définition, approche, population vulnérable, population clé, recherche, approche dualiste dans la lutte contre le VIH-SIDA et d'autres éléments pour introduire notre échange de ce jour. Blandine, je vous laisse la parole. Merci Leïla, bonjour à tous. Le thème genre VIH-SIDA, exemple d'action au Cameroun et au Niger, interroge sur le contenu donné au concept de genre, sur son évolution dans le VIH et sur le comment poursuivre nos activités avec davantage d'efficacité. Le mot genre permet de rendre compte d'une distinction quasi universelle entre le masculin et le féminin. Simone de Beauvoir écrivait en 1949. Absatou, vous m'entendez? Il suffit de se promener pour constater que l'humanité se partage en deux catégories d'individus, dont les vêtements, le visage, le corps, les sourires, la démarche, les intérêts, les occupations sont manifestement différents. Peut-être ces différences sont-elles superficielles, peut-être sont-elles destinées à disparaître. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, elles existent avec une éclatante évidence. Dans un premier temps de la lutte contre le VIH, l'approche dualiste du genre avait permis d'identifier les femmes africaines dans la catégorie des populations vulnérables au risque d'infection et vers lesquelles devaient être orientées en priorité les ressources de la lutte. Pour mieux nous situer, l'Afrique est un grand continent dans lequel les pratiques peuvent être très hétérogènes. Hormis le Maghreb, l'Afrique subsaharienne est constituée de 4 sous-régions. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud. Dans toutes ces régions, les statistiques de l'ONU-SIDA montrent que les femmes constituaient et constituent encore aujourd'hui, quelle que soit la région et le pays, approximativement 60% des personnes séropositives. D'une conférence à l'autre, à partir des années 2000, l'approche genre évolue rapidement pour se focaliser sur d'autres catégories sociales regroupées sous l'appellation population clé et regroupant les professionnels de sexe, les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, les personnes transgenres, les usagers de drogue. Cette nouvelle catégorie est présentée par les études comme étant affectée de manière disproportionnée par le VIH et apparaît donc pour l'ONU-SIDA comme la cible prioritaire de l'intervention pour mettre fin à l'épidémie d'ici 2030. Un changement répercuté dans la recherche et l'action sur le sida. Ce changement est perceptible dans les contenus des grandes rencontres internationales sur le sida qui vont accorder de plus en plus de place et de visibilité aux thématiques sur les populations clés. Une adaptation également des statistiques aux nouvelles redéfinitions du genre qui vont mettre en exergue les statistiques sur les populations clés plutôt que sur les femmes ou d'autres catégories. Des acteurs de la recherche et de l'action sur le sida de plus en plus démunis, la thématique vulnérabilité des femmes apparaît de moins en moins porteuse dans le domaine de la recherche. Par ailleurs, des associations de soutien aux femmes
sont de moins en moins financés. Pour caricaturer la situation, il y a comme une minorité de population clé qui accapare les ressources de la riposte face à une majorité de population vulnérable, jadis soutenue à bout de bras et désormais de plus en plus abandonnée. Je me rappelle encore avec émotion, au cours du terrain pour le projet ANRS 12-271 au Burkina Faso, à Ouagadougou, en 2015, toutes ces femmes séropositives qui erraient dans les associations à la recherche d'informations sur la prise de leurs médicaments, à la recherche d'une aide pour accéder aux ARV prescrits, mais en rupture dans le dépôt pharmaceutique. Face à ces femmes, les médiateurs associatifs qui ont perdu progressivement leur financement et qui ont perdu progressivement contact avec les milieux médicaux ne sont plus très efficaces pour les aider. Pendant ce temps, les associations de population clés prospèrent et prolifèrent et leurs membres sont pris en charge et suivis par un personnel médical trié sur le volet et qui est à leur seule disposition. Que faire pour corriger ce déséquilibre et comment? D'un point de vue théorique d'abord, il y a nécessité de rectifier la compréhension des contours et limites du concept de genre dans la lutte contre le VIH en prenant en compte la vulnérabilité masculine comme une vulnérabilité transversale à toutes les catégories sociales du genre. Si la vulnérabilité des femmes au risque d'infection est largement documentée, celle des hommes dans l'accès au traitement est peu connue, mais n'en est pas moins réelle. Elle a fait l'objet, cette vulnérabilité masculine a fait l'objet de travaux et de notre équipe à Marc Ebro et moi depuis les années 2010. Par ailleurs, la vulnérabilité des femmes aux risques d'infection et à ses conséquences, elle renforce la vulnérabilité des hommes. Rappelons aussi que les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes sont d'abord des hommes, tout simplement. À ce titre, ils partagent les mêmes vulnérabilités que les autres hommes, ceux hétérosexuels, en les renforçant certes par leur orientation sexuelle. En Afrique, donc, les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes ne vivent pas toujours isolés des personnes hétérosexuelles du reste de la population. Les catégories HSH, femmes et hommes hétérosexuels prises isolément ne sont donc pas forcément opératoires dans la lutte ciblée contre le VIH. Il y a nécessité d'un retour à l'approche dualiste du genre dans la lutte contre le VIH. Reprendre en compte notamment, non pas des catégories par orientation sexuelle ou par profil d'activité, mais par sexe tout court. On aurait une catégorie masculine regroupant les hommes hétérosexuels, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, une catégorie féminine regroupant les femmes en contexte PTME. Et à ces deux catégories initiales, on complèterait avec les professionnels d'une catégorie de professionnels du sexe, une catégorie d'usagers de drogue, une catégorie de prisonniers. D'un point de vue pratique maintenant, comment améliorer la situation? Les programmes qui se focalisent sur la minorité des populations clés choisissent délibérément d'ignorer la grande majorité des personnes infectées, affectées et qui gardent leur place dans la chaîne de transmission, transmission mère-enfant, transmission hétérosexuelle impliquant des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Il paraît possible de maintenir les programmes spécialisés de soutien aux populations clés pour assurer la réduction des discriminations envers elles, le maintien et la pérennisation d'une prise en charge médicale de qualité, un accompagnement communautaire efficace en vue de la levée des innombrables contraintes sociales préjudiciables à la qualité de leur traitement. Mais il faut aussi relancer des activités de soutien minimal aux populations vulnérables, notamment les femmes, à travers le soutien à la recherche sur ces catégories vulnérables-là, notamment les femmes, à travers un soutien aux activités communautaires dans la population générale. En conclusion, dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, il n'est pas évident que les populations clés, incontestablement les plus à risque accru, vivent aussi autant en marge du reste de la population. Dans le quotidien, ces catégories, si elles peuvent se regrouper ponctuellement autour d'activités spécifiques, vivent et sont en interaction sociale et sexuelle avec le reste de la population. La chaîne de transmission du VIH apparaît donc discontinue
allant des minorités sexuelles à haut risque de transmission vers la majorité de la population constituée de personnes hétérosexuelles, en tête desquelles les femmes et les enfants. Pour ces femmes, dont la vulnérabilité est déjà largement documentée, les belles initiatives annoncées par les États, les communautés et les organisations internationales sont pour beaucoup restées en suspens depuis l'apparition de la nouvelle catégorie des populations clés. En termes de bonnes pratiques, nous verrons à travers les présentations à venir l'expérience d'associations actives au sein du réseau de la plateforme ELSA s'organisant sur le terrain à travers l'Afrique pour réduire les risques et les conséquences du VIH sur différents groupes à différents niveaux de vulnérabilité. Les échanges de ce jour seront centrés sur deux exemples. Un en Afrique de l'Ouest, au Niger, et l'autre en Afrique centrale, au Cameroun. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, Blandine, pour cette introduction. Voilà, alors une question que Mélanie me donne. Blandine, est-ce que c'est la fin des populations clés dans la lutte contre le VIH-Sida? Pas du tout, je n'ai pas dit cela. J'ai dit que les populations clés sont effectivement à risque accru d'infection. Donc, doivent être ciblées. Mais il ne faut pas les cibler en oubliant les femmes et la majorité de la population hétérosexuelle. Parce que c'est les catégories population clé et les femmes et population hétérosexuelle sont en interaction constante. Pas seulement en interaction sociale, mais aussi en interaction sexuelle. Parce que les catégories d'hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes en Afrique ne vivent pas en vase clos. N'eût été les besoins de la lutte contre le VIH qui les ont amenés à se regrouper et à revendiquer, ces populations étaient diffuses dans le reste de la population. On trouvait des hommes mariés ou des hommes qui vivaient une relation sexuelle avec des femmes hétérosexuelles ou des hommes hétérosexuels. Donc, il faut travailler sur ces populations-là pour réduire le risque accru en menant des actions spécialisées, mais aussi, il ne faut pas oublier la majorité de la population qui reste engagée dans la chaîne de transmission. Voilà. Je veux dire, il ne faut pas tout mettre sur les populations clés parce que comme ça, on ne peut pas éradiquer l'infection à VIH. Merci beaucoup pour ces précisions importantes. Alors, il y a des réactions. On alloue plus de financement aux catégories population clé qu'aux autres. Pourtant, certaines populations clés ont une double orientation, comme vous le disiez, Blandine. D'autres parlent de très bonnes présentations et bonnes réflexions concrètes concernant les populations clés. Webinaire intéressant, donc ça démarre fort. Voilà, c'était moins des questions plutôt que des remarques. Je vous remercie infiniment, Blandine, pour cette introduction et ce débat qui a bien commencé. Et je passe à la parole à Berthe Yemefak, qui est présidente de la Maison des enfants et des jeunes de Bafou, la MEJ, au Cameroun. Alors, elle est aussi experte en consultante en développement, assistante principale des affaires sociales et formatrice nationale en éducation thérapeutique. Berthe Yemefak va vous parler de l'approche communautaire de prévention du VIH-Sida, basée sur le genre et le VIH, les DSSR, les droits en santé sexuelle et reproductive au sein de la MEJ, la Maison des enfants et des jeunes de Bafou. Et elle va nous parler de constats, de processus, d'actions concrètes réalisées et partagées avec vous, leurs réflexions et les perspectives actuelles. Nous vous invitons donc toujours à poser vos questions au fur et à mesure dans la fenêtre de discussion. Berthe Yemeleye-Mefak prendra le temps d'y répondre après la présentation. Berthe, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. OK, merci Laïla de m'apporter la parole. Voilà, notre projet, nous l'avons appelé Sauver les nouvelles générations parce qu'il est parti d'un constat. Et il faut déjà dire que notre projet naît au lendemain du Programme national de soutien aux enfants et orphelins vulnérables de première génération qui s'est mené à l'Ouest Cameroun. C'est-à-dire que les enfants recevaient des aides sporadiques, mais il n'y avait vraiment rien de concret, de manière pérenne pour pouvoir les accompagner. Donc, le projet naît à partir de ce moment-là avec des objectifs assez ciblés. De sensibiliser les adolescentes, les adolescents et les adolescentes jeunes sur le genre, les infections sexuellement transmissibles à travers les causeries éducatives, les activités d'écoute, d'orientation et d'accompagnement. J'ajouterai aussi des activités ludiques
pour la simple raison que avec des enfants d'un certain âge, il fallait travailler avec eux à partir du dessin pour comprendre ce que leur perception du VIH. Et ensuite, on ne pouvait pas travailler seulement avec des ados. Il fallait aussi impliquer les parents, les hommes et les femmes, dans l'éducation sexuelle des enfants. Il faut déjà préciser que nous sommes en milieu rural, un milieu rural de l'Ouest Cameroun, où parler de sexualité est assez tabou, ça relève de la pudeur, et ça relève un peu de l'âge adulte. Donc, parler de ça aux enfants, c'est paraître un peu subversif. Donc, on a pensé que parler de sexualité aux adolescents sans impliquer les parents, c'était un peu comme un coup de machette dans l'eau, où on n'avait pas d'effet. Et on a aussi pensé qu'il fallait initier un dialogue communautaire à travers la sensibilisation, puis l'implication des leaders traditionnels. Et l'atout qu'on a, c'est que dans la zone, les leaders traditionnels, c'est des gens qui sont très, 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 très écoutés parce que les traditions sont encore très conservées. Donc, notre projet, il ne vient pas au hasard. Il est situé dans un cadre. Il y a le cadre statutaire de notre projet parce qu'il s'inscrit dans le cadre de nos principes d'intervention. Et nos principes d'intervention, c'est la santé physique et morale comme le fondement de toute action de développement. Et la prise en compte du genre et des droits humains dans toutes les actions menées. Parce que nous pensons que tant qu'il y a des inégalités de genre, tant qu'il y a des inégalités, tant qu'il y a des gens qui souffrent à cause d'autres personnes qui n'arrivent pas à les considérer comme telles, on ne peut pas se développer. Et aussi l'action contre les pratiques culturelles dévalorisantes qui sont des freins au développement. Et des pratiques culturelles, on les a énumérées. Il y a le dieu, il y a plusieurs pratiques, on pourra en parler. Et ce sont des pratiques qui non seulement sont dévalorisantes, mais qui peuvent être le chenal que suit le VIH. Donc, on a l'implication des bénéficiaires et des communautés dans toute action. Donc, il y a notre cas statutaire qui était favorable au développement de notre projet. Ensuite, le contexte dans lequel on se situe est le contexte de féminisation généralisée de l'épidémie au Cameroun. Dans certaines tranches d'âge de 14 à 25 ans, on sait que la prévalence au Cameroun va jusqu'à 9 fois supérieure à la moyenne nationale. Et la tranche de 15 à 25 ans, c'est des adolescents et des jeunes, et c'est un signal d'alarme. On est dans le contexte de prévention, des activités de prévention qui sont menées dans les grandes villes, mais qui vont atteindre rarement les villages, comme ceux dans lesquels nous travaillons. Et l'autre élément du contexte à prendre au sérieux, c'était la zone géographique des Grassfields de l'Ouest Cameroun, qui fonctionne autour de la société traditionnelle, où on a tendance à conserver un certain nombre de traditions. Et malheureusement, dans les traditions qu'on conserve, il y a la place de la femme. Il y a la place de la femme dans la société. Quel est son rôle? Comment est-ce qu'on la considère? Et c'est quelque chose de très important pour nous et qu'il fallait prendre au sérieux. On a constaté qu'il n'y avait pas d'initiative locale et d'activité au profit de nos cibles en matière de santé sexuelle et santé sexuelle reproductive. Et notamment notre cible, comme j'ai dit, notre cible première, c'était les adolescents et les jeunes. Comment est-ce qu'on pouvait déjà leur parler de VIH, de santé sexuelle? Comment est-ce qu'on pouvait aborder la lorsqu'elle n'est pas la victime dans la zone. Et le contexte culturel, socio-culturel, très conservateur. L'un des éléments qu'il fallait prendre aussi en compte, c'est que nous sommes dans une zone vivrière qui va drainer de nombreux transporteurs, des commerçants et surtout aussi des travailleurs et des travailleurs saisonniers qui viennent travailler dans les champs parce que c'est une zone vivrière, l'agriculture vivrière est assez florissante pour les gens qui ont encore des terres. Donc, c'est une zone qui va drainer des commerçants, des travailleurs saisonniers, ainsi de suite. Et ça, c'est des éléments du contexte qui nous semblaient très, très importants et qu'il fallait prendre et qui nous donnaient de plus en plus l'envie de travailler. L'autre élément du contexte aussi, c'est le contexte administratif favorable. On a des unités techniques décentralisées des départements ministériels qui sont favorables à notre action parce que
notre action rejoint la politique gouvernementale, même s'ils ne nous donnent pas les moyens pour le faire, ils nous soutiennent quand même dans cette approche lorsque nous arrivons à mobiliser les ressources pour travailler avec eux sur le terrain. Donc, de ce point de vue, nous avons l'adhésion des autorités et des responsables de ces unités techniques de base de quelques ministères, notamment celui de la Santé avec lequel nous avons déjà un accord de collaboration, celui de la promotion de la femme et de la famille, des enseignements secondaires, de la jeunesse et des sports, la promotion de la femme et de la famille. Donc, nous adressons, nos actions sont adressées à leurs cibles et de ce point de vue-là, nous sommes soutenus et ils répondent à nos appels chaque fois que nous allons vers eux. Mais le processus, comment est-ce que dans le milieu rural, nous avons pu adresser des questions aussi sensibles que les questions de santé et les questions de genre? Voilà. Le processus, c'est une aventure qui commence dès les années 2010 parce que la MERJE ouvre ses portes définitivement en 2008. Et l'objectif premier, c'était de soutenir ces orphelins, des enfants qui avaient des problèmes. Et on s'est dit, mais on ne peut pas donner du matériel aux gens sans toutefois parler de leur santé. Donc, à partir de 2010, nous commençons à entretenir nos pupilles. Nos actions s'adressent simplement aux enfants qui fréquentent le centre. On travaille avec le dessin, le jeu, des petites causeries, des causeries éducatives. Mais dès 2014, de nouveaux besoins vont déjà se faire ressentir. On va se rendre compte qu'on a très peu de garçons parce qu'ils ont l'impression que lorsqu'on parle je prends l'exemple simple, ils ont l'impression que lorsqu'on parle de grossesse précoce, lorsqu'on parle de maladies sexuellement transmissibles, lorsqu'on parle de violence sur la jeune fille, ils ont l'impression que ça ne concerne que les filles. Et même en s'adressant aux parents, on se rendait compte que les parents nous envoyaient plus facilement les filles que le jeune garçon. Donc, on a noté cette participation très faible des garçons parce que les garçons ne se sentaient pas très intéressés par ce que nous faisions. On a observé une certaine méfiance des autorités qui avaient peur de la subversion. Parce que lorsqu'on va parler de maladies sexuellement transmissibles, on va parler de VIH, on parle du sexe, on parle de l'égalité, les enfants répercutent, et on a l'impression que ah, voilà des gens qui sont dangereux, il faut les tenir à l'œil. C'est peut-être une approche subversive que les gens sont en train d'organiser. Alors, il fallait déjà faire un lobbying avec des leaders traditionnels. Heureusement, nous en avions qui venaient à la mer, qui nous amenaient certains enfants indigents de leur village, ainsi de suite, de leur quartier. Ils nous connaissaient et à travers cela, on a fait un lobbying, on les a amenés à comprendre ce que nous voulions. Qu'est-ce qui nous a même poussé à mener les activités? Et on a aussi pensé qu'il fallait commencer à impliquer les parents parce que l'enfant passe plus de temps, le bénéficiaire passe plus de temps en famille. Et si déjà en famille ne peut pas parler d'un certain nombre de problèmes, nous ne pouvons pas couvrir tous ces besoins, que ce soit des besoins éducatifs ou que ce soit des petits besoins pratiques. Il fallait absolument qu'on commence à s'intéresser aux parents et qu'on voit comment est-ce qu'on peut les impliquer. On a aussi commencé à voir les besoins d'outils pédagogiques puisqu'on faisait des sensibilisations, on n'avait même pas de ressources, on n'avait que la ressource humaine en réalité. Il fallait des outils pédagogiques, il fallait en trouver et on a pensé qu'il fallait aussi former des gens pour le faire et à plus large échelle. Donc, avec le soutien de la Fondation de France, on a élaboré des outils, on a élaboré des pliants, des affiches et puis un document aide-mémoire. Et le document aide-mémoire, par exemple, c'est un document qui contient beaucoup d'informations sur la sexualité, sur la puberté, sur les questions de genre, ainsi de suite. Et on avait une affiche. Et l'affiche, par exemple, a déclenché des débats très, très houleux parce que parlant des grossesses précoces, par exemple, chez les adolescents,
Certaines personnes ont eu l'impression qu'on voulait les clouer davantage. Non. Il fallait qu'on évoque le sujet du point de vue de la prévention de ces grossesses et du point de vue de la stigmatisation de ces enfants qui tombaient enceintes parce que nous en étions tous responsables. Est-ce qu'elles ont été sensibilisées? Est-ce que les personnes qui les ont enceintées ont été sensibilisées? Donc, ça a mené à déclencher le débat, à amorcer le débat sous ces deux angles-là. Donc, les outils avec le soutien de la Fondation de France, mais on a aussi eu des outils locaux, les outils des partenaires locaux, comme le RETS, qui avait auparavant produit une boîte à images, JARE VIH, et cette boîte à images recensait la majorité des pratiques culturelles néfastes. Par exemple, la pratique du sororat, la pratique du lévirat, les pratiques de Dieu, certains rituels traditionnels qu'on a eu le courage, que le reste avait eu le courage d'évoquer et qu'on a ressorti dans cette boîte à images-là qui permet de travailler en groupe et de discuter sérieusement sur les pratiques qui pouvaient, dont le VIH peut suivre le chenal. Ensuite, nous avons sollicité Moto Action parce qu'il faut dire Moto Action, c'est un partenaire clé qui a formé beaucoup d'associations sur les questions de genre au Cameroun. Ce fut comme une opportunité d'ailleurs pour beaucoup d'associations au Cameroun d'être formées par Moto Action. Et on a aussi eu cette opportunité de travailler sur cette boîte, sur le jeu de loi genre et VIH. Donc, nous avons sollicité ces outils. Ils ont formé, Moto Action a formé nos animateurs sur l'utilisation de cet outil JARE VIH qui permet de discuter sérieusement en groupe sur un certain nombre de préjugés en ce qui concerne les femmes, les filles, la transmission du VIH, ainsi de suite. Et nous avons pensé que, ensuite, on a pensé qu'au-delà de notre expertise à nous, de ce que nous pouvions faire et de ce que nous pouvions apporter, il fallait déjà impliquer les consultants pour avoir des formations un peu plus robustes sur les questions de genre. Parce qu'avec le soutien des leaders traditionnels, on a pu identifier dans les villages un certain nombre de personnes qu'on pouvait former et qui acceptaient de travailler, de faire la mobilisation communautaire avec, aux côtés de la MEJ. Et parmi eux, on a aussi eu des anciennes pupilles, des anciennes bénéficiaires de la MEJ qui étaient proches de la MEJ, qui ont aussi accepté d'être formés. Et il fallait former des gens, des hommes et des femmes et de différents âges, parce que les cibles qu'on devait toucher, ce n'étaient plus seulement les adolescents et les jeunes, mais c'était aussi les parents et les leaders traditionnels. Ensuite, on a pensé qu'il fallait aussi former les leaders traditionnels. On a réussi notre lobbying, mais il fallait maintenant former un certain nombre de leaders traditionnels. Il s'agit des chefs traditionnels et puis de certains notables, et ils sont en association. Ils sont en association, ce qui fait qu'ils sont connus. Ils sont connus sur le terrain et ils ont une certaine influence sur la population. Donc, il y a aussi eu un premier atelier en direction de ces chefs traditionnels et notables. Et il faut dire que ça n'a pas été facile parce que certains étaient restés un peu campés dans leur position parce que pour eux, c'était de la subversion. Depuis quand est-ce qu'on peut penser que les hommes et les femmes peuvent s'asseoir pour parler d'un certain nombre de choses? Et vous allez vous rendre compte, ils sont tous des hommes. Il n'y a pas de femmes. C'est le cercle des pouvoirs. Ce sont des hommes. Ils sont tous des hommes, que ce soit les chefs traditionnels ou des femmes. Et il fallait les former. Et je me rappelle que pour la petite histoire, il a fallu qu'ils aient le programme à l'avance, qu'on échange longuement et qu'ils soient aussi rassurés par l'autorité administrative, par le district de santé, de ce que nous devions faire. Voilà. Et ce volet de notre projet, qui a été un peu comme notre joker,
a même été capitalisée avec Elsa, qui est venue au Cameroun et qui a travaillé avec ses chefs traditionnels. Il faut dire que moi, personnellement, c'était ma première expérience de capitalisation. Et c'était aussi ma première expérience aussi d'avoir le véritable feedback de ces chefs traditionnels. Et ils étaient tellement contents au point qu'ils ont promis de nous donner un terrain pour construire un bâtiment pour la mèche, au cas où nous avons des financements pour construire un bâtiment. Donc, avec cet exercice de capitalisation, nous étions tellement contents parce qu'ils ont vraiment versé ce qu'ils avaient sur le cœur, la transformation qu'ils ont subie, chacun dans son fort intérieur, le changement de la perception qu'il avait des actions que nous voulions mener, surtout quand on parlait de genre, même si jusqu'à aujourd'hui, nous restons avec un petit pincement au cœur sur l'évolution en matière d'homosexualité. Au moins, on est rassuré que sur le territoire, on ne peut plus les bousculer. C'est un peu difficile jusqu'aujourd'hui. Pour eux, c'est la perversion, c'est le diable en personne, ainsi de suite. Mais il y a quand même des évolutions. Donc, cette capitalisation qui avait été commandée par la Fondation de France, pour nous aussi, marquait un nouveau départ. Parce que cet outil de capitalisation, surtout le format que nous avions choisi, on l'a choisi, je peux dire, au hasard, parce que c'était notre première expérience de capitalisation. Cet outil, aujourd'hui, nous le multiplions, nous le distribuons, parce que vous comprenez que dans le village, très peu de personnes ont accès à une connexion Internet, on peut leur transmettre le format PDF, ainsi de suite. Nous le multiplions, nous distribuons, et ça fait que de plus en plus, ça nous accorde du crédit. Et ces chefs-là, eux-mêmes, quand ils ont cet outil, ils sont très contents de le distribuer à d'autres chefs d'autres arrondissements. Et c'est quelque chose qui a été aussi, c'est un élément très, très fort. Donc, aussi, on organise des causeries éducatives. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'histoire commence au bureau, dans notre centre, et puis on pense qu'il faut aller dans les communautés. Les causeries éducatives, on les organise à la mèche, on les organise dans les villages, dans les familles. Il y a ce qu'on appelle des parents facilitateurs qui aident à l'organisation de ces causeries-là. Voilà. On a aussi des activités d'écoute et d'accompagnement. Et les activités d'écoute, on a une permanence où on reçoit des jeunes filles qui viennent poser leurs problèmes ou des personnes qui ont eu honte de poser leurs problèmes pendant les causeries éducatives. Voilà. On a aussi des activités, ces activités d'écoute nous permettent de répondre à certains besoins spécifiques des filles, mais aussi de comprendre les besoins des garçons. Parce que parfois, je prends l'exemple d'une grossesse précoce. On va s'apitoyer sur le sort de la petite fille de 15 ans qui est enceinte, mais on pense aussi très peu à la santé mentale du papa de 14, du papa de 15 ans ou de 16 ans. Lui aussi, il est stigmatisé parmi ses amis. Donc, ces activités nous permettent de comprendre aussi les problèmes et les besoins des garçons, autant que les problèmes et les besoins spécifiques des filles. Voilà. Donc, ensuite, en 2019, d'autres besoins se font ressentir, notamment les besoins en milieu scolaire. Et là, c'est les parents, les associations, les parents d'élèves qui nous interpellent, les leaders traditionnels qui nous interpellent. Et avec Solidarité SIDA, nous avons eu le soutien depuis 2019 pour adresser des questions de harcèlement sexuel en milieu scolaire, l'usage des produits psychotropes qui entretiennent la violence, les grossesses précoces, les silences autour des viols, l'accès aux tests de VIH, la question de l'homophobie et puis du dépistage du VIH. Donc, avec Solidarité SIDA, ce volet scolaire est parti de 2 établissements scolaires à 4 établissements scolaires et ça se passe très, 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 très bien. Voilà. D'autres besoins aussi, c'était dans l'arrondissement voisin où on a formé aussi des leaders traditionnels et d'autres animateurs communautaires, dont le projet se passe dans 2 arrondissements. Je vais très vite au constat. On constate que des leaders traditionnels communiquent ouvertement, que ce soit sur le VIH ou que ce
voient les violences et puis ils organisent entre eux, ils ont essayé de voir comment est-ce qu'ils peuvent sanctionner certaines choses. La prise en charge des survivantes de viol est désormais immédiate. Là-bas, ça se passe en suivant le protocole national. On est passé, on observe plus ces silences et on observe quand même une libération de la parole chez de nombreuses personnes qui parlent ouvertement de sexualité. Et puis déjà, le fait qu'ils viennent au niveau de l'association solliciter qu'on vienne animer une réunion familiale ou bien qu'on donne des serviettes hygiéniques aux filles, ça montre déjà qu'ils arrivent à parler de sexualité. Des constats dans notre dernière phase de projet, on constate quand même que 95% d'hommes acceptent d'avoir compris leur caractère violent et non soutenant. Idem pour les femmes qui comprennent qu'elles ont des droits. Mais il s'agit des impressions immédiates après des causeries éducatives. Et on pense dès 2022 faire une bonne évaluation pour comprendre si ça évolue aussi dans la pratique au quotidien. Donc, je vais terminer avec des perspectives, c'est de poursuivre la sensibilisation et puis mener des actions spécifiques dans la zone nord où on observe beaucoup des mobilités des populations nomades qui se sédentarisent et des populations anglophones qui fuient les exactions des terroristes. Vraiment, merci beaucoup pour cette intervention. On vous a indiqué qu'une belle démonstration d'une démarche collaborative et participative. Très bon projet. Félicitations à vous, Berthe, d'avoir pris en compte les adolescents. Vous avez aussi, Berthe, d'autres remarques sur l'implication des leaders communautaires en amont, qui est salutaire et permet une bonne adhésion au projet. Et on nous demande aussi, on nous indique de retrouver tous les documents de capitalisation genre VIH au Cameroun, non celui de Berthe. Vous avez un lien dans le chat au niveau du site de la Fondation de France. Donc, une première question sur, comme votre projet était en zone rurale, est-ce que vous aviez eu une suspicion de détournement des jeunes qui aurait été soulevée? Et si oui, comment avez-vous contourné cette difficulté? Oui, effectivement, des parents se sont plaints parce qu'ils ont essayé de demander aux enfants « qu'est-ce que vous êtes allés faire à la Mège ?» Et les enfants leur ont dit on était en train de causer, on nous a dit que les filles peuvent faire les mêmes choses que les garçons, ainsi de suite. Le mariage précoce, ce n'est pas bon. Et ils sont venus directement, nous. C'est vrai, ce n'était pas violent, mais ils nous l'ont dit. Ils nous ont dit qu'ils espèrent qu'on ne veut pas pervertir la moralité de leurs enfants. Donc, et c'était pour nous, à chaque fois que les parents venaient, c'était pour nous des opportunités d'échanger. Ce n'était pas des suspicions, c'était des paroles directes. OK, très et bien. Et puis aussi, il y a des parents. Nous avons eu une session que nous avions appelée École des parents, mais qu'il est très tôt de parler de VIH à leurs enfants, parce que lorsqu'on parle de VIH, on parle de sexe. Alors, nous avons réuni un certain nombre de parents et il y avait des enfants, et on a distribué des dessins. Des papiers aux enfants avec des crayons de couleur. On leur a dit, exprimez-vous avec le dessin sur ce que vous pensez du VIH. Alors, certains enfants ont carrément dessiné des personnes en train d'avoir des rapports sexuels. Certains enfants ont dessiné des garçons nus et des filles nues. Et du coup, les parents ont compris que les enfants pouvaient s'exprimer, mais ils avaient juste peur du regard de leurs parents. À partir de ce moment, on est tombé d'accord avec eux qu'on pouvait plutôt les canaliser au lieu de leur interdire de s'exprimer, par exemple. Oui, il y a une question au niveau sur les postures culturelles. En fait, les difficultés que vous auriez rencontrées par rapport à différentes postures culturelles. Alors, posture culturelle, c'est assez large. Est-ce que, par exemple, vous pourriez préciser certaines difficultés que vous avez eues au niveau des postures sur, de la part des acteurs de votre projet, comme les parents, mais pas seulement, des difficultés que vous avez rencontrées au niveau de posture de certains acteurs du projet et actrices? Oui, je vais prendre, en illustrant par un exemple, vous pouvez comprendre. Dans la zone, par exemple, lorsqu'une femme a été dotée, elle est un bien pour la famille. Alors, lorsque nous disons qu'à travers le lévira, c'est-à-dire ton mari décède, par exemple, et la veuve est la propriété de la famille parce que sa famille a mangé la dot, elle a versé la dot. La dame, elle devient l'épouse, elle peut devenir l'épouse de n'importe qui, la famille va choisir. Alors, quand nous disons que ce sont des postures à travers lesquelles le VIH va passer,
Il faudrait qu'on leur démontre comment ça se passe. Est-ce que ces gens-là, nous ne venons pas d'emblée vous dire de mettre la clé de vos traditions sous le paillasson, mais nous voulons vous dire de prendre conscience qu'à travers certaines pratiques, le VIH peut passer. Est-ce que vous tenez compte de ça? Est-ce que vous tenez aussi compte de la psychologie de cette femme-là? Donc, alors, ils nous disent, alors, ça veut dire, est-ce que la dame, si elle accepte de devenir la femme de son beau-frère, est-ce qu'elle peut aller faire le test du VIH? Et nous leur disons, mais c'est ce que nous voulons. Amenez-les à se faire, amenez-les d'abord à se faire dépister. Maintenant, la question du choix va lui incomber. Mais où est-ce qu'elle s'engage en connaissant le statut sérologique du beau-frère et que le beau-frère s'engage en connaissant son statut sérologique? Mais aussi, si elle refuse, il faut préserver sa santé, ne serait-ce que psychologique. Si elle refuse, si elle refuse aussi, c'est de son droit, au lieu d'engager une vie à travers laquelle les rapports seront tendus. Donc, ils se sont donc rendus compte que nous n'étions pas des moralisateurs, mais qu'on venait en donnant la raison spécifique pour laquelle on pensait que on énumérait les traditions, et ensemble, on scrutait ces traditions pour qu'ils comprennent que le VIH peut passer à travers certains rituels. Merci beaucoup, Berthe, vraiment. Il y a une dernière question. Est-ce qu'il y avait des critères de sélection pour les formations, Berthe? Oui, il y avait des critères de sélection. Il faut déjà dire que toutes les personnes qui ont été formées sont des autochtones, ils sont des résidents, ils vivent là-bas. Parce que le risque aussi, c'était de former des gens qui vont être mobiles. Et des critères de sélection, c'était des gens qui savaient quand même écrire et qui étaient capables de s'adresser aux gens. Et naturellement, ce sont des chefs traditionnels qui nous ont aidés à faire ce casting. Et des jeunes, par exemple, nous en connaissions beaucoup parce ils ont même d'abord été nos bénéficiaires. Et on les connaissait déjà, certains s'impliquaient dans les activités de l'association. Donc, on ne pouvait pas prendre quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire, parce qu'on a des outils, et il faut qu'il puisse transmettre, il faut qu'il puisse remplir ses fiches de compte rendu. Donc, il y avait quand même des critères. Ok, merci beaucoup Berthe, vraiment, merci à vous pour vos questions. Alors, je vais donner la parole à Absatou Moussa Toukouyou, assistante sociale et point focal genre de l'association Mieux Vivre avec le Sida, qui est une association située au Niger. Absatou Moussa Toukouyou va nous parler de l'amélioration de la qualité de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, selon l'approche genre, et elle va ainsi nous parler aussi de gouvernance associative, de ressources humaines et d'activités intégrant le genre. Absatou, je vous laisse la parole. Ok. L'intégration du genre à MVS a vu le jour soit au constat suivant. C'était vraiment lors des activités de groupe de parole. La remarque a été faite qu'en grand groupe, c'est-à-dire en groupe mixte hommes-femmes, que les séances se déroulaient timidement, c'est-à-dire qu'il y avait une prise de parole assez timide, tant de la part des hommes que des femmes. Des fois, c'est lié au thème débattu. Et suite à ça, on a réfléchi pour voir comment est-ce qu'il faut pallier à cela, comment amener ces participants à vraiment prendre la parole, et à dire tout ce qu'ils pensaient, et cela, quel que soit le sujet. Après ça, il y a aussi la remarque qui était faite par nous, les femmes à MVS et aussi l'administration, qu'il y avait vraiment beaucoup plus d'hommes et beaucoup plus de responsabilités confiées aux hommes qu'aux femmes. Ainsi, pour pouvoir peut-être remédier ou essayer d'équilibrer les choses, on a eu petit à petit à essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on pouvait intégrer ce genre au sein de MBS. C'est ainsi qu'au niveau de la gouvernance, vous allez remarquer qu'il y a eu une nette amélioration par rapport à la représentativité des femmes au niveau du conseil d'administration.
En effet, le conseil d'administration, l'ancien, avait environ 25% de femmes qui étaient présentes, c'est-à-dire deux femmes contre six hommes. Et actuellement, avec le nouveau CA, nous avons 50% de femmes, 50% d'hommes qui représentent le conseil d'administration. Et au-delà de cela, la présidente du conseil est une femme en la personne de Madame Hawa. Plus loin, nous allons aussi voir qu'au niveau, qu'à part la gouvernance, il y a eu une intégration du concept JAR au niveau du recrutement du personnel de MVS. C'est l'exemple qu'on a au niveau du laboratoire. Il y a un technicien homme qui est là. Quand il a fallu recruter, vraiment, à chance égale, il fallait prendre une femme pour pouvoir équilibrer et respecter le genre comme on essaye de le faire. Aussi, par rapport aux responsabilités, vous remarquerez que des responsabilités ont été confiées aux femmes, c'est ainsi qu'au niveau du point focal genre, une femme a été désignée. Point focal autonomisation, c'est encore une femme. Il y a un médecin femme qui assure aussi la prise en charge pédiatrique au niveau du centre. Tous ces changements ont été opérés vraiment après avoir été imprégnés du concept genre et comment pouvoir inclure ce genre-là au sein de notre structure. Au-delà des recrutements et des responsabilités qui ont été confiées aux femmes, nous allons voir plus loin qu'au niveau des activités spécifiques de la structure, il y a eu une intégration du genre. À quel niveau? Au niveau des activités de groupe de parole, comme je le disais tantôt, le constat qui était fait qu'il y avait une timidité au niveau des échanges lors des groupes de parole. On s'est dit pourquoi ne pas essayer de constituer des groupes mixtes où on va prendre les femmes entre elles, après prendre les hommes entre eux sur un même sujet, voir comment est-ce qu'ils vont se prononcer, comment est-ce qu'ils vont être libres de parler. Et après, ces deux groupes ont été mis ensemble sur un sujet commun encore pour voir maintenant est-ce qu'ils sont beaucoup plus à l'aise pour parler du sujet, même en étant dans un groupe mixte. Et on a l'occasion de dire, voilà, un tel à tel moment, lors de la causerie, tu as eu à dire ceci ou cela, pour motiver la prise de parole. Les VAD ont eu un petit changement en considérant l'approche JAR, parce qu'avant, nous avons remarqué pour faire les VAD, vraiment, il y avait quelques petits soucis de considération socio-culturelle. Quand il s'agit d'un homme, il va un homme, disons, acteur ou agent de MVS qui doit effectuer une VAD chez une, je ne sais pas, femme mariée. Dans notre concept, c'est un peu mal perçu. Vice-versa, si c'est une femme mariée qui doit aller faire une visite à domicile à un jeune homme ou qui vit seul, c'est assez complexe. Et pour remédier à cela, on a vu pourquoi ne pas constituer un binôme homme-femme si nécessaire dans ces cas pour pouvoir mener l'activité aux besoins. Aussi, un des points sur lesquels le JAR a permis de mettre l'accent, il y a eu le constat selon lequel les hommes, la plupart du temps, quand ils sont dépistés positifs, ils n'informent pas leur partenaire ou leur femme de leur statut sérologique. Ce qui a fait qu'on a réfléchi à un projet qui est le projet intrafamilial. C'est dépister la famille à partir d'un sujet index, c'est-à-dire à partir du premier qui s'est fait dépister, si c'est le partenaire homme qui s'est fait dépister, à partir de lui, on essaie d'avoir sa partenaire,
si c'est sa femme, ses enfants, vraiment la famille, pour pouvoir améliorer la qualité des soins et aussi l'offre des prestations. Et ainsi, à travers cette démarche intrafamiliale, ça nous a rapprochés parce qu'on a eu beaucoup plus de dépistages effectués. Il y a eu beaucoup plus de gens qui ont été mis sous traitement ARV et qui sont en train aussi de tendre vers une charge virale indétectable. Et vous comprendrez par cela que je cherche à mettre l'accent sur l'atteinte des 3,90. Et ce projet nous a permis vraiment de pouvoir avancer dans l'atteinte de ces objectifs-là. Le projet intrafamilial est un projet financé par la Fondation de France avec un appui technique de la plateforme ELSA via SIDAction et Solidarité SIDA. Les résultats auxquels aujourd'hui nous pouvons donner comme exemple, c'est vraiment l'amélioration de la participation des hommes. Ils participent activement lors des séances de groupe de parole, lors des ateliers culinaires. Ils viennent et aussi on a une diversité de représentations au cours de nos groupes de parole et de nos ateliers culinaires. Les femmes sont de plus en plus assurées et la timidité est en train de faire place à une assurance et vraiment elle arrive à mettre des mots sur ce qu'elles veulent et précisément sur des éléments beaucoup, beaucoup plus ambigus, si je peux le dire. Il y a aussi une amélioration nette par rapport à l'efficacité des VAD. L'efficacité des VAD, dans quel sens? Parce qu'avant, on était confronté au souci de voir dans quelle mesure voilà, les deux peuvent faire la VAD et quand on faisait ça à deux, on a eu des résultats plus positifs. On allait à deux, les gens voyaient que non, 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 il ne fallait pas chercher de noix, si je peux le dire. Ça facilitait vraiment les échanges avec la personne visitée. Il n'y avait pas de questionnement ou d'étonnement si le groupe est mixte ayant visité une femme ou un homme, la question ne se pose pas, il n'y a pas à chercher à beaucoup spéculer là-dessus. Donc vraiment, ça a amélioré en général notre intervention au niveau social et également pour toute la structure. Merci beaucoup Absatou pour ce partage d'expérience riche de l'association MVS Mieux vivre avec le sida. Et je passe la parole à Elsa Mangui, qui est consultante en genre et santé en France et qui nous propose une synthèse des échanges pour conclure cette réunion thématique. Elsa, je vous laisse la parole. Merci Leïla. Bonjour à toutes et tous. Donc je suis Elsa Mangui, donc consultante spécialisée sur les enjeux de genre dans la santé et du VIH depuis plus de 10 ans. Je voudrais remercier déjà donc Blandine Bila, Berthe Yemele, Absatou Moussa Toukouyou pour leurs interventions. Peut-être revenir là sur l'intervention de Berthe et de la Mèche Bafou pour montrer que c'est un bel exemple d'intégration du genre dans des activités de prévention de VIH, en particulier dans une zone rurale, donc un contexte très difficile, avec une approche enfant-ado qui s'élargit à une approche multipublique, donc sensibilisation de la communauté, des parents, des leaders traditionnels, des écoles, qui permet donc de dépasser les obstacles à l'accès des jeunes à une sexualité positive et sans risque. C'est assez typique, ça, d'une approche intégrant le genre. Et puis, un travail spécifique auprès des filles et des femmes, tant pour comprendre leurs besoins que pour les amener à connaître leurs droits, mais aussi auprès des garçons et des hommes, pour les écouter, on l'a vu, mais aussi pour reconnaître le rôle des masculinités dans les violences. Donc, le tout pour aller vers une prise de conscience des rapports de pouvoir et de leurs conséquences sur la santé et le VIH. L'importance de travailler aussi sur les inégalités de genre en interne à l'association. Donc, MVS a fait un gros travail dans sa gouvernance pour intégrer des femmes dans la gouvernance, intégrer également le recrutement de femmes et donc pas seulement l'intégration du genre dans les activités de dépistage ou de prévention. C'est assez rare, donc ça mérite d'être souligné.
Ça permet donc de laisser une juste place aux femmes, de leur donner plus de voix et puis de les renforcer. Et MVS a également eu une approche genre dans les activités de prévention avec, pareil, une approche différenciée auprès des femmes et des hommes, notamment avec l'organisation de groupes non mixtes. Voilà. Et j'aimerais conclure du coup autour de quatre points. La première chose, c'est donc saluer quand même et visibiliser les femmes qui permettent de faire avancer ces questions de genre dans les associations, dans la recherche. On voit, elles étaient là en tout cas aujourd'hui autour de notre Zoom. Et c'est important parce que c'est un vrai travail de fond. Sans elles, ce ne serait pas possible. Donc voilà, c'est important de pouvoir le dire. La deuxième chose, c'est dire c'est important encore de continuer d'avoir des échanges et des temps spécifiques autour des questions genre et VIH, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir l'impression que tout le monde connaît ce que c'est que le genre, comment l'intégrer. Et on observe qu'il y a souvent des confusions, notamment entre genre et population vulnérable, dans lesquelles le sexe est dilué. Et je rejoins ici les propos de Blandine Villa en introduction. La question de genre et stéréotypes de genre, mais on ne parle pas de rapport de pouvoir, ou encore on parle de violence basée sur le genre, mais dans une seule approche de prise en charge. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire, et aussi l'importance de pouvoir partager les expériences, les pratiques de mise en œuvre par les unes et les autres, ce qui permet aux acteurs et aux actrices d'améliorer leurs interventions. Le troisième point, ce serait sur la question d'une approche intégrative du genre avec le VIH, mais aussi, comme on l'a vu là dans les présentations, avec les droits de la santé sexuelle et reproductive, les violences basées sur le genre, les connaissances des femmes sur leur corps, pour donner aux femmes un accès global à la santé. Ça, c'est pour le côté activité, et également une intégration du genre dans les équipes, les associations, avec un vrai engagement pour une approche égalitaire dénuée de violences sexistes au sein des équipes de travail. Et j'aimerais terminer sur l'importance d'aller vers un vrai empowerment des femmes. C'est bien de répondre aux besoins pratiques, mais c'est, selon moi, il est temps de permettre aussi un saut stratégique pour les femmes. C'est vrai pour les femmes vivant avec le VIH, les adolescentes, les femmes travailleuses du sexe, mais aussi les personnes transgenres. Il faut soigner, prendre en charge les femmes, mais il faut aussi qu'elles puissent prendre plus de pouvoir sur leur santé, plus de pouvoir économique, plus de pouvoir sur les décisions au niveau individuel, familial, associatif, même parlementaire. Et selon moi, c'est le gage d'une durabilité des actions. Voilà, je termine ici. J'annonce, je suis chargée de vous annoncer la prochaine réunion organisée par la plateforme ELSA, qui cette fois sera une réunion pays, qui aura lieu le jeudi 25 mars à 14h. Vous aurez plus d'informations dans la newsletter. Et je vous invite également à aller voir les ressources genre et VIH sur le site de la plateforme ELSA, et en particulier deux guides, celui de la plateforme ELSA qui a capitalisé sur son accompagnement sur genre et VIH, et notamment également celui de la Fondation de France. Et je remercie enfin Leïla Lost, Myriam Benamou et Mélanie Brizard pour l'organisation de cet atelier. Je repasse la parole à Leïla pour la photo de famille. Merci beaucoup Elsa, vraiment merci. Un grand merci à toutes les intervenantes et ainsi qu'à vous les participants et les participantes pour votre présence active. Un grand merci aussi à Karine Pouchin-Grépinet de la Fondation de France pour son aide précieuse pour l'organisation de cet échange, ainsi qu'à Elsa Monkey. Merci beaucoup à toutes et à tous, vraiment, et à très très bientôt.